Dans la catégorie « Meilleur site web pour une émission ou série », affaires publiques, documentaires, magazines ou sports, c'est fait. Non, c'est pas fait. Excusez, non, c'est pas fait, finalement. Je vais vous dire les finalistes au lieu de faire une folle de moi. Journal Techno. Patricia s'est trompée. Journal Techno, quoi de neuf? Le tapis rose de Catherine. Les repères de Languirand. Alors, les gagnants, le tapis rose de Catherine, Catherine Beauchamp, les productions Rose Nanane. Le tapis rose de Catherine. Ah, merci. Je ne sais pas si le fait de ne pas avoir accès au crédit d'impôt et aux subventions, je peux prendre plus que 30 secondes. Merci. Alors, je vais commencer par me remercier moi-même, parce que s'il y a quelqu'un qui a pris des risques avec le tapis rose de Catherine, c'est moi. Je me suis auto-engagée parce que je ne trouvais pas d'emploi en télévision, alors j'ai décidé de fonder mon projet et ça a fonctionné. Je remercie Jacques Languirand, Jean-Michel Vanasse et Coinneuf. Je suis honorée d'être dans la même catégorie que vous. Vous faites tous du très bon travail. Vous êtes des champions aussi. Et, c'est pas facile de faire de la web télé. Attendez une minute. C'est pesant, cette affaire-là. Bon, c'est vraiment difficile de faire de la web télé. On fait tout nous-mêmes. C'est rare qu'un producteur, je regarde ici tous les producteurs qui sont ici dans la salle, c'est rare qu'un producteur investisse soi-même de l'argent de sa poche pour produire. Nous l'avons presque tous fait. Alors, je pense que les 9 finalistes des catégories des émissions originales produites pour les nouveaux médias méritent une main d'applaudissement. Évidemment, je ne suis rien sans une équipe, parce que oui, j'ai une équipe qui est à moitié payée, à moitié bénévole. Donc, Philippe Boilard, merci d'être avec moi tout le temps. Merci de m'avoir suivi. Tu travailles tellement bien. Merci. Marie-Christine Côté, qui est la directrice artistique du Tapis rose de Catherine. Merci d'embellir les choses aussi bien que ça. J'espère que tu vas continuer vers cette voie-là. Guy Houd, Éric Pinette, François Damour pour la musique, Nathalie Binda et Stéphane Duval, qui sont deux personnes super importantes parce qu'évidemment, en faisant de la web télé, j'ai un autre emploi. Donc, ça a pris des employeurs qui m'ont permis d'avoir des horaires flexibles et de faire des visionnements de presse le matin, d'aller sur des tapis, donc de manquer du travail. Donc, merci à Slimane Unibrou et Coalition, la marque Lolé. Merci à MSN d'avoir pris mes vidéos. Merci à Pierre-Paul Larivière de m'avoir donné une chance avec, à l'époque où c'était Sympatico MSN. Merci à Radio-Canada.ca qui vient de m'adopter comme nouvelle collaboratrice. Et finalement, merci à Lily-Jeanne Damour, 6 ans. Merci d'être ma muse. Maman voulait te regarder dans le trou des yeux et elle voulait te prouver qu'on pouvait gagner notre vie avec quelque chose qu'on aime. Ça s'en vient. Voilà. Merci. Merci, Catherine. Antoine, n'es-tu pas inspiré par le tapis rose?